Et bonjour à toutes et à tous, c'est MrLion97 et on se retrouve aujourd'hui eh bien pour une preview. Donc certains ne me connaissent peut-être pas si vous regardez sur la chaîne de mon ami ici présent, mais je vais d'abord le laisser se présenter. Bah, salut, c'est Sanji02, c'est moi qui crée la Chrome Super Mario Star. Donc, comme Mysterion, je pense qu'il va le faire. Dans la description, il mettra un lien vers ma chaîne. Donc, si vous voulez voir des vidéos, Bah, d'autres vidéos du jeu. exactement, donc il y aura son lien sur la description de sur ma chaîne dans la vidéo. Alors Super Mario New Star, pour en parler, donc c'est une Major Hack, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris avec mes termes ce qu'est une Major Hack. C'est une Achrome totalement refaite, c'est une refonte complète de Mario 64. On va vous la faire simple, un nouveau jeu basé sur les bases de Mario 64. Voilà, c'est comme si vous faisiez une nouvelle maison sur les bases de votre maison. Voilà. Exemple de merde. Bref, alors c'est une Achrome que je suis avec plaisir en fait ces previews pour savoir quand elle s'arrête. Donc je connais un minimum la Achrome, on l'a testé vite fait avant. Hein. C'est parti pour entrer dans le premier niveau. Donc Même testé deux fois. oui, voilà. Je pense que vous comprendrez ça après. Pour les malins, vous comprendrez le sens de cette phrase après. Ouais, voilà. Pour les petits malins. Je sens qu'on va se faire spammer dans les commentaires, toi et moi, à cause de ça, mais c'est pas grave. Allez. Donc, bon, alors, Minecraft World, donc l'île cubique. C'est la deuxième fois que je fais cette blague, non, la troisième fois. Oh mon dieu. Donc, bon. Alors, j'ai appelé ça le monde Minecraft parce que bon, on est cube partout, ça fait penser à Minecraft. Alors, franchement, pour donner un premier avis sur la Achrome, c'est une Achrome vraiment très sympa, honnêtement. Que je vous invite à aller faire une fois qu'il la sortira, une fois qu'elle sera prête. Hein. Ouais. Et on va pas en dire plus parce que je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais voilà. Ouais, si, je vois. Si on se répète. Exactement. Alors bon, on va tout de suite, on va. Bah, je vais quand même vous laisser découvrir le monde par vous-même. Hein. Là, on va directement enchaîner avec une première étoile. Coucou! Alors, Mario, te revoilà, dégage de mon île. Tu m'as déjà viré de ma forteresse, alors ne fais pas la même chose sur mon île. Je me sens bien ici, c'est tranquille. L'Empire, oh sympa. Bien porté le dialogue. Alors. Hop, donc le petit glitch, hein, je pense que tout le monde le connaît, enfin, tout le monde a dû le voir, je crois. J'avais un pote qui connaissait pas ce glitch-là d'ailleurs, mais. Moi, je l'ai vu dans les speedruns et tout, à force. Donc, allons chercher l'étoile! Suicide. Exactement. Ouais. Et vu qu'on est des voleurs, on passe par la fenêtre. Voilà, par la fenêtre. Je dis par la fenêtre. Voilà. Putain. Non, bah non, il veut pas. Vous rentrez par celle-là. Celle-là, j'ai réussi. Vas-y. Voilà. Les gars, faut pas faire bugger le jeu, non, c'est bien. Ah non, j'ai déjà fait sur Super Banjo 64. Tu sais, bah, c'est une. Je l'ai pas fait sur ma chaîne, j'ai fait ça sur ma chaîne communautaire en fait, une petite vidéo détente dessus. C'est une Achrome en fait, où c'est. Enfin, c'est. Ça a été fait avec OBG Importer, c'est, tu sais, tu peux apporter les. Ouais, c'est avec ça Ouais, qu'on bah, fait les niveaux. c'est tout le niveau qui est. C'est tout le niveau de Banjo et Kazooie qui sont apportés sur. Moi, ça. Ah, mais si, je. Ouais, j'ai déjà vu, ouais. Elle, c'était sympa, franchement, c'était sympa. Je veux Ouais. dire. Alors maintenant, on va vous montrer le deuxième niveau. Alors, 4 chemins vers la muraille. Alors bon, musique de Super Mario RPG. Ouais. Donc ça Elle est beaucoup c'est. prise quand même dans Ouais, les hacks. j'ai remarqué. Bah elle est vraiment bien par contre. Ouais. Donc hop, c'est parti. Alors l'avantage en fait, comme je le disais, c'est que d'habitude j'ai toujours l'habitude pour la Chrome de. D'habitude j'ai toujours l'habitude. Point d'exclamation! Bref. D'habitude, je demande toujours à mes abonnés s'ils savent les noms des musiques, mais l'avantage, c'est que justement, comme tu m'as dit, toi t'as la playlist. Ouais. Et comme je l'ai dit, ouais, je peux te demander à toi en fait, hein, directement. Je vais pouvoir te demander à toi directement si je veux le nom précis, ce que je dis Ouais, donne. voilà, ouais. C'est ça l'avantage. Bon, en fait, si on a collaboré sur celle-là, parce que bon, j'aide un petit peu pour les musiques, mais on peut pas vraiment dire que j'aide vraiment, Ouais. c'est lui qui fait tout le boulot, quoi. Mais bon, si je peux, en fait, justement, je souhaitais t'aider, hein, parce que je cherche pas mal de Achrome en off. Fail.
Et je suis tombé sur cet acrome-là et c'est que j'ai du respect pour ceux qui font l'acrome parce que peut-être qu'un jour je réaliserai une, mais je sens que je vais me répéter, mais c'est pas grave. Et comme je disais, bah je vais t'aider. Si tu en fais une, je peux toujours t'aider. Ouais, voilà. Et De toute donc, façon, je pense bien t'aider. ouais, voilà. Bah, si j'en fais une, je viendrai te solliciter. Et donc voilà, donc je l'aide un petit peu pour les musiques. Je me suis proposé parce que vu que lui, bon, je sais parler anglais, mais mon anglais n'est pas perfectionniste, hein, pas perfectionné. Et vu que bah toi justement tu parles français, bah, je lui dis c'est plus facile pour le collaborer. Donc voilà, je Ouais, peux bon. toujours l'aider pour les musiques. Je crois que j'ai fait le Et même encore. fail, non, le même genre de fail. Donc bon, bah aussi pour les tests, tu m'as dit que je peux t'aider si jamais tu sais des trucs. Donc moi c'est avec plaisir si je peux t'apporter mon aide pour la chrome. Ouais. Donc les gens qui regardent la vidéo n'y voyaient absolument rien de je veux voir mon nom dans les crédits, tout ça. Non, c'est juste je me propose de m'aider parce que j'ai du respect pour ceux qui font. Et franchement, bah je trouve ça vraiment, bah limite j'ai envie de remercier ceux qui font de la chrome parce que moi ça m'occupe et j'attends toujours avec impatience, hein, je suis pas mal de la chrome, j'en cherche toujours beaucoup en fait en off. C'est comme ça d'ailleurs que je suis tombé sur Ouais. toi. Ouais. Donc voilà, donc si je peux aider à l'avancement d'une chrome, franchement moi c'est avec plaisir que je le fais. Hein. De toute façon, toi, t'es surtout là pour les musiques. Ouais, voilà, moi je suis surtout là pour les musiques, bah, du moment que je peux aider quoi, hein, parce que bon, Ouais. malheureusement, je n'ai aucune notion de hack dans les Mario 64, en tout cas pour le moment, hein. Je peux pas vraiment aider de ce côté-là, mais pour les musiques, comment je peux aider? Mais je suis en train de penser une petite incohérence au niveau des vies. Oui, c'est vrai qu'il y en a qu'on y pense, il y aura une petite incohérence. Mais ce sera, Bon, c'est pas grave. mais ce sera pas la seule. C'est moi ou j'ai fait bugger le jeu? Putain. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Ça, C'est vrai que les warps, je les ai fait un peu là-bas vite. Hein. je me suis dit, merde, j'ai fait bugger le jeu. Donc voilà, ce qu'on risquait, ce qu'on redoutait, bah c'est bon, j'ai fait bugger le jeu. J'ai remarqué qu'il y a des petits lags. Enfin, ça va, encore pas trop dérangeant. Ouais, c'est à cause des mascasses. Ouais, là ça En va fait, parce que pas. c'est pas des ennemis qui... Moi je veux pas faire popo dans le pot, car mon petit pot n'est pas rigolo. Moi j'ai fait popo dans ma petite couche, même si c'est pour ça qu'on m'appelle coucouche. Tiens, 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 j'ai envie. Oh, c'est un gros. Non, 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 je veux pas faire popo dans ma couche. Vite, 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 il arrive. Je veux faire popo, 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 j'ai fait popo dans mon petit pot. Et donc, excusez-nous pour cette petite ellipse, ce n'était pas prévu. Voilà. Alors, on en était où? Ah, ok. On va essayer de pas crever. Fais gaffe, ce saut-là est assez chaud quand même. Oui, voilà. Bon, cette fois-ci, je fais une save. Je suis désolé. C'est pas grave. Mais bon, je vais quand même au moins pouvoir montrer. Ah, ah Et vas-y, voilà. j'ai exactement Faut le le même faire souci. au bar. Faut le faire au dernier moment, normalement ça devrait aller. Voilà. Ah bah non, pas encore. Attends. C'est ça en fait, parce qu'en fait j'ai essayé de faire ce que j'ai appris dans Voilà. Kaizo Mario. C'est ça, tu sais, c'est quand tu fais un saut au mural mais que tu arrives à revenir dessus. Ouais, voilà, Ouais. il s'accroche. Ouais, Ouais, je voilà. vois. Ah bah yes, c'est bon. Ah voilà, c'est bon. Attends, j'ai failli me faire. Non, en fait ça je l'ai appris sur Mario 74. D'ailleurs, si tu. Bah en fait, pour ceux que ça intéresserait, bah j'ai une ROM de Mario 74 pour ceux qui connaîtraient. Déjà patchée en fait, parce que normalement, le problème c'est que c'était une ROM très intéressante mais assez dure. Et elle n'existait que en patch Allez, PFR. shot. Et moi j'ai réussi bah, à trouver une ROM déjà patchée. Un pote en fait il m'avait dit tiens j'ai la ROM en fait. Mais sans foirer en fait ce qu'il m'a pas dit, c'est que c'était la version extrême du jeu. Alors déjà que le jeu de base est difficile, je te laisse imaginer la version extrême. J'ai pas encore essayé la extrême, mais en tout cas la normale, ouais, je l'ai déjà essayé, c'est assez chaud quand même. Ah mais moi j'ai d'abord C'est la extrême avant la normale et putain l'extrême c'est hardcore. J'en ferai peut-être une petite vidéo un jour pour vous montrer, mais c'est chaud. Le truc, c'est que j'ai dû l'abandonner parce que il faut réunir 10 étoiles pour accéder à Bowser. Mais j'ai galéré à les avoir. Mais alors, quand t'arrives dans le niveau de Bowser, mais tu sais pas quoi faire en fait. Tu comprends pas ce qu'il faut faire. D'ailleurs, la petite musique de Mario Galaxy, si je n'abuse pas, ouais. Alors, vers la muraille, ça s'est fait. Non, mais putain. Excusez-moi, on m'appelle toujours dans des convois à la con.
Ah bah d'ailleurs, on va découvrir ce niveau-là en fait que j'ai pas découvert vu que j'ai pas chopé 3 étoiles. Alors maintenant, je pense que ça va faire plaisir. C'est du fan-made. Et franchement, je l'ai dit directement avant, quand j'ai laissé à Rome vite fait avant la vidéo, je lui ai dit que ça m'a fait plaisir ça. Donc voilà. Le nouveau Eggrobot Greeny Zone. Et oui, il nous a. Et ben voilà, Greeny Zone. Et franchement, ça, bah, j'ai trouvé ça vachement sympa. Il nous est mou. Le boss, si ça t'intéresse, il est derrière. Hein. Ah bah ouais, on va vraiment très bien. Oh, sympa ça, le looping, ça j'y avais pas pensé à mettre un looping. Eh dommage. Par contre, on peut pas le faire, hein, c'est pas Ouais, Sonic. c'est ça qui est dommage. Ah, ça t'es vachement sympa, tu sais, tu vois Mario qui fait le looping, je serais mort de rire quand même. Alors il est où le boss, histoire qu'on le montre, parce que je le connais. Bah, il est sur le, ouais, sur le, là. Ah, Voilà. le nouveau Acrobat, je le vois. Ah ouais, j'y avais pas pensé à faire le bobo, mais c'est sympa. Alors, ok. Ah non, c'est pas. Ouais, donc c'est par dehors. Pardon. Alors. Franchement, ça, quand j'ai vu ça, bah, je l'ai dit directement, j'ai trouvé ça vachement sympa. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si je t'en ai parlé, enfin, tu l'as remarqué quand il m'a répondu en commentaire, tu sais, quand je t'avais dit que tu recevais des commentaires chelous là sur ta chaîne. Ah oui, Le mec, il avait pété un câble, je sais pas quoi. Je crois qu'il avait pas compris que ouais. je trollais. J'ai pas trop compris ce qu'il a dit, mais. Ouais, en fait, ce que j'ai compris, moi, en fait, c'était je suis pas français, mais les Allemands utilisent des mots français et tout, et vu que toi t'es français, bah il a voulu déconner avec ça, j'ai pas tout compris. Bon, bah, s'il regarde cette vidéo et qu'il comprend ce qu'on dit, bon, on te salue, hein. Je me rappelle plus de ton pseudo, mais bon, c'est pas grave. Bon. Il fait, Merde! bah, lui aussi il fait un hack, il est assez sympa son hack aussi, si ça Ah, t'intéresse. bah, j'irai Si voir tu veux, alors. je te l'enverrai. Ouais, j'irai voir ça. C'est Mario and the Magic Wand, je crois, c'est un truc comme ça. Ah, d'accord. C'est sympa. Bon, bah, alors, s'il est sympa son hack, bah, j'irai lui dire, quoi. On essaiera de faire la paix, on va dire. Non, mais je pense qu'il a pas compris que je trollais quand je disais ça. Allez, hop. Ah, ouais. Oh, sympa, ça. Oh, ça, c'est sympa. Ah, c'est vachement bien pensé, ça. Non, ça, je l'ai pas fait, les gros bots, hein, je vous le dis tout de suite, je découvre en même temps que vous. Alors, bon, on va passer ça comme ça. Et on trouvera bien un moyen de monter. Donc pour y aller, c'était là où tu étais tout à l'heure à Ah ouais, l'intérieur. merde. Je me suis dit que Cause j'allais de la pas caméra, tu retrouver. vois, elle va te faire chier. Ah ouais, bon. En même temps, cette Caméra. Star Road, elle était pas mal hein, dans son genre, donc. Ouais, bah après il y a la version de luxe qu'il a, la version de luxe qu'il a fait, et la caméra est assez corrigée. Ouais, bah Ouais, je sais pas, il y a. j'avais fait le let's play sur la version Deluxe, je crois. Mais je crois qu'à la fin, j'ai dû. Mais il y avait quelques bugs en plus dans la version Deluxe. Il y avait des bugs que t'avais pas dans la version normale que t'avais dans la version Deluxe, on va dire. Ah, je sais pas. Je saurais pas te dire là, en fait, tout de suite, mais. J'étais tombé sur certains bugs, en fait, dans la version Deluxe que j'ai jamais eu, quoi, on va dire, sur la version normale. Ah ouais, d'accord. Et putain, c'est ça le problème. Ah, dommage. C'est ça que je joue. Voilà, je suis trop habitué au save state maintenant. Eh, fichu Kaizo Mario qui donne des mauvaises habitudes. Oups. Putain, j'avais même pas vu que j'étais tombé avec. Bon, j'ai trompé ma copine en quelques secondes. Je viens de coucher avec un beau bombe. Bref, j'ai fait l'amour avec un beau bombe. Non, je ne ferai jamais une connerie là-dessus, sur ma chaîne. Non. J'ai déjà assez ruiné la réputation de Mario. Je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Ouais. Hein. Déjà dans l'épisode final de Star Road, ça j'avais fait. Vous savez pourquoi je faillis le temps? Parce que en fait je vous ai pas dit, mais Mario c'est un alcoolique. J'ai mis une parodie. Enfin, j'ai mis un bout de YouTube, pas une YouTube poop, mais c'était un bloopers. Bon, c'est merde. L'équivalent des YouTube poop en fait, tu le vois en train de se bourrer la gueule. Ouais, je sais ce que c'est quand même tout. Et tu le vois quand t'es J'adore bourré la regarder. gueule, je l'ai mis ça, j'étais mort, voilà. Donc voilà pourquoi en fait je fail, mais ça c'est. Comme ils le disent, Rimiop et Cœur de Vanda, c'est jamais la faute du joueur, c'est toujours la faute de la console, du jeu. Ouais. Jamais la faute du joueur. C'est la faute de Mario, le pauvre Mario il se fait engueuler alors qu'il fait Et rien. voilà. Bon, cette fois-ci on va quand même hein, essayer de vous montrer hein, la chrome, merde. Hop. Ouais, ça te fera tes 3 étoiles, tu pourras tester Ouais, on va le quand monde même. de sable. On va quand même montrer l'autre. Il y a encore un autre niveau à montrer. Ouais, il y en a 5. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais Ouais, je pense pas bah. que tu arriveras à 14 étoiles. Hein. Ouais, bah, montrer. Enfin, pas dans cette vidéo-là, mais. Ouais. Oh yes, j'ai réussi. Voilà, ça, je l'ai appris dans Mario 74, justement. Vachement sympa, quand même, la référence. Je l'avais pas du tout pensé hein, pour un truc botanique en plus, mais. C'est bien pensé. Nouveau Egg Robot. Ok. New custom.
Attends, j'ai lu sauf qui peut au lieu de sauvegarder et continuer. Faut que j'arrête de lire un peu vite, moi. On doit être environ 14 Avance. minutes parce que je crois que la première partie a fait environ 7 minutes, donc. Je vais quand même le dire parce que pour ceux qui regardent la vidéo quand même que ça c'est pas ce sera pas l'entrée finale hein. C'est un peu chaud quand même au canon Oui. d'y aller comme ça. Ouais, en fait, il nous a mis à la petite étoile, il m'a expliqué en fait pourquoi il y avait une étoile, c'était un repère en fait, faut viser l'étoile pour arriver dans ce niveau. Bon, Voilà. le niveau, je découvre en fait parce que je suis allé avant et je me suis fail sur les petites îles. D'ailleurs, la musique, je pense que tu l'as tirée de Smash Bros Brawl, non? De Kid Icarus. Ouais. Bah, j'ai jamais joué à Kid Icarus, à part Uprising, mais sinon. Mais... Ben, moi c'est Smash Bros qui m'a fait découvrir Kid Ouais, Icarus moi donc. aussi en fait, c'est ça. Bon, bah, je suis mort comme une merde. Bon, par contre, en entrée de niveau, je vais faire une save parce que si on doit se retaper à chaque fois à Ouais, l'entrée, ça va voilà. être un peu chiant. Il y avait le même souci d'ailleurs sur une autre hack, c'est si tu crevais ou alors si tu gagnais l'étoile, à chaque fois tu sortais en dehors du niveau, tu vois. Mais loin du niveau, Ouais, tout je le temps. vois. Il y avait un niveau en fait, il était loin, fallait, enfin pas loin, mais on va dire, fallait monter un truc. Fallait monter comme Ouais, ça fait. un En fait, t'as truc. qu'une seule. Ouais. Comment t'as qu'un seul endroit pour réapparaître. Ouais, voilà, c'était ça qui me faisait chier Ouais, je en vois. fait. Et tu devais monter une longue tour et tout, c'était super chiant, je Alors, Bah, du coup, je vais changer ça aussi à la fin, mais là, c'est en attendant une petite warm ouais. IP. Ouais, non, mais c'est sympa, tu vois. Mais là, ça va encore. Mais moi aussi, Kid Icarus, je connaissais pas. Hein. C'est vraiment Smash Bros. Brawl qui m'a fait découvrir. Et puis, c'est sympa, enfin. J'ai jamais fait le premier du nom, mais j'ai fait celui Kid Icarus Uprising, que je vous invite d'ailleurs à faire si vous l'avez pas fait. Et puis, on peut toujours se faire des parties en multi. Bah, toi, t'as mon. De toute façon, toi, t'as mon code ami. Et puis, j'ai passé mon code ami sur la vidéo Ouais, de ouais. détente de DK. King of Jungle, King of Swing, pardon. Je connaissais pas le jeu d'ailleurs, je l'ai trouvé complètement par hasard sur HomeStation quand je me baladais. Alors. Oh, c'est sympa quand même le château comme ça. Franchement, ta chrome elle est vraiment réussie, en tout cas niveau esthétique comme ça, c'est vraiment sympa. Et quand il m'a dit que c'était Merci. sa première, franchement j'ai été étonné parce qu'il y en a des, c'est. Je veux dire, des chromes comme ça, souvent c'est des gens qui en fait plusieurs, hein, qui est. Et même des fois, Ouais. je suis des gens qui sont pas mal dans la com qui ont déjà fait plusieurs, ils en ont fait des pas terribles, j'étais un peu déçu quand même. Enfin, niveau esthétique, on peut faire mieux quoi. Et on avait. En même temps, j'ai été, comment dire, il y a Comariac, comme je dis dans les descriptions, il m'a quand même aidé Ouais, pour les passes et tout, ouais. à faire les, comment, les, merde, comment dire, Ouais, les bases, il t'a appris les bases et tout les ça. bases, voilà, les bases. Ouais. Ah ouais, donc. Alors. Hop. Allez, hey, casse-toi le violeur là. Je les appelle les violeurs. En même temps, ils te courent après, c'est. Je vais te Moi, je les appelais violer! Bomberman, donc bon. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un air de Bomberman quand même, avec la petite couette derrière la queue de cheval là. C'est vrai que ça fait vachement penser à Bomberman, mine de rien. Alors. Bon. On a eu combien? 3. On doit jouer les jardinières, ce que j'ai compris. Normalement, il y en a 5 et il y en a 4 ici. 4 ici. Bon, elle est où la dernière? Allez, Mario le jardinier. Ah, te voilà. Ah, la coquine. Hop, coucou. Tu veux voir mon point? Oh, sympa le M. Je l'avais pas remarqué. Ah, je parie que c'est une étoile. Cherche les 5 M secrets. Voilà, exact. Ah, hâte de voir ça. Je sens que. Et là, t'as eu les 4 là. Ouais, j'en ai eu 4. Je te dis, la dernière, elle est au début. Sur le logo de Bowser, va au Ouais, milieu. d'accord. Mais ce que j'allais faire, je me suis dit qu'il y a sûrement un truc comme ça. Voilà. Voilà. C'est vrai Tu qu'à peux force. reprendre ta dernière. C'est vrai qu'à force maintenant, je suis habitué à qu'il y ait toujours des trucs cachés, on va dire, tu vois. Ouais, voilà. Sympa, la maison de Waluigi. La maison de Luigi. Et la maison de Wario. Ah, j'avais pas fait attention au début, mais c'est là que j'ai reconnu le signe de Waluigi en fait. Ah, tiens, c'est un peu prévisible qu'elle sera là. Eh, hey, reviens là! Come back here! Et voilà. Ah, en plus, t'as changé la musique quand elle dort, ça c'est sympa. Ouais, j'ai mis la musique de Super Mario Bros. De Underworld, je crois. Je sais Je crois que plus. je sais plus c'est quoi le nom. Elle est apparue où en fait? Je crois que je l'ai. Là où il y avait les quatre autres. Ah, les quatre autres. Ah, d'accord. Eh ben, c'est Ouais. parti. On y retourne. Mon Dieu.
Parce qu'en fait, elle est partie en direction de la maison de Luigi, mais après, tu sais, on l'a pas vu, vu que la caméra n'avait pas allé plus loin. Ouais. On n'a pas vraiment vu où c'est allé. Bon. Hop. Allez, cette fois-ci, on se paye le pas. Yes. Nickel. J'adore la musique, franchement, elle est vachement sympa. Et donc après, on va découvrir bah, le niveau du sable que je vais découvrir en même temps que vous. Ouais, t'as pas pu le tester tout à l'heure, t'es pas arrivé jusqu'à 3 étoiles, alors... Oui, j'ai fait que mourir, je suis allé dans tous les... J'ai rencontré... J'ai vu tous les niveaux, mais je suis mort dans tous les niveaux sauf celui de Minecraft. T'as eu qu'une étoile. Voilà. Le premier niveau, c'est le niveau de Minecraft, on va l'appeler comme Qu'est-ce que tu veux? ça. Allez, sauvegarder, continuer. Oula, non, non, non. Alors, c'est parti, découvrons ensemble! Ring to the floor, voilà. Allez! Étrange vallée dans le temple. Ah, sympa la musique, elle me dit quelque chose. Attends, je vais peut-être. Ça vient de, bah, comme je suis là pour te dire la musique, hein, ça vient de Mario Luigi de Superstar Saga. J'ai. Tu as déjà joué? J'ai joué vite fait, mais j'ai surtout vu un let's play dessus de Papilu. Ah, d'accord. Ça doit être pour ça que je l'ai entendu. D'ailleurs, tu sais, Star Revenge, je crois que tu l'as fait toi aussi, non? Tu m'avais dit. Star Revenge, ouais. Ouais. Il y a un moment, tu sais, où t'as cherché la Triforce. Ah ouais. Ça, j'étais, oh my fucking god. D'ailleurs, t'as mis la musique du vol de Super Mario Galaxy. Ouais. Bon choix, franchement. Merde, ça collait bien. Alors. Derrière toi. Ouais, je sais, mais bon, je l'ai passé. On va aller chercher où tu... Ouais, Vous voyez, en j'aurais fait, peut-être pu te prévenir. c'est ça en fait que j'ai pas arrêté de faire avant quand on était en off avant la vidéo. C'est des fades en mousse comme ça. Je m'excuse pour le bruit de Skype, hein, c'est comme vous l'avez vu avant, on m'a appelé dans la convo et ils font chier. Ouais. Alors, on y retourne. Je joue ma dernière vie. Ah non, c'est vrai, il y a le zéro, je crois. Les images de Koopa. C'est sympa. Coucou Koopa. Je savais pas quoi mettre. C'est sympa quoi. C'est la maison de Koopa, tu vois. Donc ça c'est mémé, ça c'est papy. Là t'as tante Gertrude. Là t'as oncle Joseph. Et là c'est ouais. C'est papy Gérard. Il y a des photos de famille dans toute la maison. Exactement. Alors. Hop hop hop! Ah bah! Bon, allez, cette fois-ci on joue ma dernière vie, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien, allez, on est parti. Bon, si on a un game over, au moins ça me permettra de vous faire découvrir le game over du jeu. Alors. Ça me fait limite penser, le début, ça me fait limite penser à une musique de cowboy en fait, ça. De cowboy dans le désert, quoi. Quand ça commence la musique. Et ça me fait penser en fait au nouveau Sly sur PS3 d'ailleurs. Parce que bon, je commençais à regarder un let's play dessus vu que c'est pas de mal avec j'aurais une PS3. Et franchement, c'est aussi ça d'ailleurs qui m'a donné envie de faire ce jeu, mais enfin, c'est le nouveau Sly quoi, qui m'a donné envie de l'acheter. Ouais, j'ai pas essayé le nouveau Sly, mais en tout cas, c'est que les anciens, en tout cas, ils étaient très bien. Ouais, j'ai joué aux deux. Ça a l'air pas mal. J'ai pas fini le 2, moi, et maintenant le jeu est bugué, mais ma copine est en train de me le rechercher. Ouais. Il y a le 1 que j'ai vu en let's play chez Atomium. Et le 3, malheureusement, je sais pas, il me paraît que c'est le meilleur de la série. Ah, bah sur PS3, il y a une trilogie ouais, des 3, bah, je crois. Il y a un pack. Y a la trilogie HD des 3, merde. Et c'est le 1 justement qu'il a fait comme ça à Atomium. Il a fait sur la trilogie HD. Bon, bah, ah, on se sera rattrapé un petit peu. Hein. Ok, je suis entré par l'autre entrée, d'accord. Je préfère faire des sauts en longueur, moi. Parce que plateforme, je peux facilement me paniquer. Alors. Allez. T'es en train de choper toutes les pièces rouges au passage. Ouais, je vois ça, je suis même pas exprès le pire, hein. C'est ça.
Ouais, d'accord. Là, je le sens mal. Allez! Oh putain, comment c'est passé? J'ai tellement cru que j'allais crever. Voilà, t'es pas obligé de prendre les masques, tu fais un saut longueur. Ouais, ouais, voilà, mais. Par contre, on va peut-être essayer de recalibrer la caméra. Oh putain. Voilà, j'ai eu de la chance. Bah, je m'en fous, cette fois-ci, je fais une save. Barre-toi, connard! Trop loin. Voilà, c'est des fails comme ça que je fais sans arrêt. Allez, hop. Non, lâche-moi! Alors, hop, ouais. Et voilà. Et donc, eh ben, on va conclure la vidéo ici, je pense, parce qu'on vous a montré un petit peu les 5 premières étoiles du jeu. Ouais. Donc... Il y a 2 autres mondes, mais il faut 14 étoiles pour pouvoir les faire. Alors... Ouais. Juste regarder un petit truc vite fait, que je voulais vérifier. Celui qui nous a fait une salle là, j'ai vu ce grillage là, mais ça m'a intrigué. Ah, d'accord. Et donc, là, y'a rien. Vas-y, on va crever de cette façon. Et le grillage, en fait, il fait quoi? Dedans, il y a une étoile. Ah, ok, d'accord. Ah, merde. C'est pour ça qu'au début, il y avait un bloc de la casquette ailée. Invisible. Ouais. Casquette d'invisibilité. Je disais, ouais. C'est con. Dans Mario 64, t'es invisible, mais tu peux passer à travers les choses, quoi. C'est normal. Ouais. Ça m'a toujours fait rire, mais bon. Je veux. C'est plutôt Mario Post Muraille pour le coup. Voilà. En plus, c'est pas totalement visible quand même. Ouais. Mais bon. Donc, sur ce, on va conclure cette vidéo. On espère que cette petite preview vous a plu. Ouais. Donc, sinon, t'en es à où au niveau de la chrome? Elle est bientôt terminée. Il te reste quoi à faire? Alors, j'ai fini le monde 1, le monde 2, le monde 3, le monde 4, le monde 5, le monde 6, le monde 7. J'ai commencé le 8. Ouais. J'ai commencé le 9. Le 10, j'y ai pas touché. Ouais. J'ai terminé le 12, qui est sur ma chaîne. Ouais. Je dois être vers la fin, je pense qu'il m'a plus... J'ai dépassé la moitié déjà, j'ai fait plus gros. Je crois qu'il y en a 12 des mondes en tout, 15, j'ai toujours un doute, c'est 12 ou 15. 15 ouais, en tout, ouais. Hein. Ok, ouais. Je les fais pas dans l'ordre, mais ouais. J'ai dépassé la moitié. D'accord. Bon, on entend la maison qui est cassée. Ça, je t'ai fait la remarque avant la maison que tu l'as cassée comme ça. Bon, c'est original, hein, franchement, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc voilà, donc on espère que cette petite preview vous a plu, hein, donc ceux qui sont sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder ces autres previews, le lien est dans la description, et pour ceux qui sont qui regardent sur la chaîne 2, sur ma chaîne, sur ta chaîne pardon, et bien j'espère que vous aurez aimé ce petit review, que vous aurez que mon skill ne vous aura pas trop dérangé, hein, skill légendaire, et que j'espère quand même que vous aurez apprécié ce commentary. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ouais, à la prochaine sur ma chaîne. De toute façon, pour l'épisode 1, quand la chaîne. Ah, c'est génial, je suis fatigué aujourd'hui. Quand la chrome sortira, le premier épisode, je le prévois de le faire en compagnie de notre cher ami Sanji, hein, pour présenter la première chose. Donc voilà. Merde, ma manette. Bon, allez, bye bye tout le monde. Ah, c'est beau.